Thank you.
Regardez s'ils sont pas contents d'être là. Hein.
Voilà, première journée ici à l'YCF Tour, donc on reviendra demain. C'était une journée un petit peu boueuse quand même, parce qu'on a eu un petit peu d'eau en début d'après-midi. Ça glissait un petit peu, peut le confirmer Kevin. Kevin qui est là. D'ailleurs, on va lui poser une petite question à Kevin. Bon Kevin, alors comment s'est passée cette petite journée ? Ce matin, ça s'est bien passé, malgré quelques chutes, mais une piste qui était un peu glissante. Et cet après-midi, les pistes étaient trop glissantes, sauf en début d'après-midi où les pistes étaient super bien. C'est bien, mais c'est vrai que ça glissait quand même beaucoup après les averses. Hein. C'est ça. Dommage qu'il y a eu les averses. Sinon, c'était bien sympa ce matin. Combien de chutes dans la journée ? 4 chutes Parce que ça, 5 ou 6, je crois. Combien ? 5 ou 6. Hein. 5 ou 6 chutes, d'accord. Là, faut aimer ça. Hein. Ah bah ouais. Faut aimer la boue. Ouais, faut aimer la boue. Ouais. Voilà. Bah, ce qui paraît, c'est bon pour la peau. Ouais. C'est pas fait mal. Juste un peu au genou, c'est tout. Voilà. Cascadeur. Ah, cascadeur. Bon, en tout cas, merci d'avoir fait peur à ton père toute la journée. Ah bah derrière, c'est normal. Hein. Voilà. Donc, on rappelle que demain, tu vas pas rouler. Non. Tu vas faire des photos, donc on peut rappeler à tout le monde qu'on retrouvera les photos sur Zizi Rider sur Facebook. Hein. Tout à fait. Ou sur YouTube. Sur la page YouTube Zizi Rider. Voilà. Voilà. Bon, et tant mieux, et ton père te dit merci de pas rouler demain.
y en a deux qui s'amusent, hein, c'est bien Axel et Justin qui sont juste derrière moi, voilà. Vous pouvez les voir. Alors eux, ça me fait des petits coups. Ils aiment bien le terrain collant comme ça. On va aller les voir tout à l'heure, on va aller leur poser des petites questions tout de suite après cette session de fin d'après-midi du samedi. Quand même, et ben si, il va oser Justin prend tous les risques, mais bon là ça a pas payé, hein. Allez hop. Rien ne l'arrête, notre Justin national. Là-bas, ça fait pareil. Axel qui essaie de couper aussi, mais ça n'a pas marché. On n'a pas réussi. Petit Justin, ouais. Bon, on va demander un petit peu tes impressions de cette journée parce que c'était pas évident de rouler avec des conditions comme ça. Ouais, c'est un peu gras quand même. C'est vrai que c'est pas d'habitude. D'habitude, justement, le samedi, on a vachement soleil, c'est sec et tout. Et là, c'est vrai que ça change un peu, ça fait bizarre, mais bon, on s'y fait. Après, le dimanche matin, on attend de voir ça, mais souvent, le dimanche matin, c'est gras et vu ce qu'il annonce demain, ça reste à dire toute la journée. Sur le gras comme ça.
avec un semi auto c'est quand même plus fun, ouais. Avec un 8-8 comme ça, c'est excellent. Bien bougé, après... c'est bien. Arrête ça, toi. Après, avec des grosses cylindrées, genre le 150 ou 180 litres, c'est un peu plus compliqué, les embrayages aiment moins. Et c'est moins fait pour. On n'a pas assez de temps, enfin... On peut pas exploiter nos machines que comme un 8-8 ou comme un 8-8 ou un 125. En semi-auto, c'est vraiment toujours à fond. Bah, tu t'amuses bien là, je vois, hein. C'est ouais, vrai que... Bah ouais, c'est ça, c'est en semi-auto, c'est carrément plus fun. Enfin, toi, tu vois, t'as Kevin, il s'amuse sur un terrain comme ça, il s'amuse plus que sur un grand terrain. Voilà. C'est quand même vachement fun. Tu roules vachement bien, toi. Tu as déjà fait des championnats. Ouais, le championnat de Normandie. Championnat de Normandie, déjà. Ouais. Ouais, en 2019. 2019. Et vas-y, au niveau des résultats, qu'est-ce que tu as fait comme résultat? Fin de saison, je fais 12e. 12e avec une casse moteur à l'avant-dernière manche. Et en fait, j'ai à l'avant-dernière manche avec Lessie. C'est bah, du coup une course à 0 sur 3 manches. Et à la première manche, j'ai mon axe de brossillant qui sort. Du coup, j'ai ma moto est de travers et je peux plus faire grand chose. Je rentre au bout de 4 tours, j'étais 6e. Et après, 3e manche, je casse un moteur. Donc là, ça fait c'est un peu plus ennuyant de casser un moteur, surtout que le mien est assez ancien, donc il est un peu fragile, il a sa fragilité, tout ça, mais ouais, du coup, un peu dégoûté de ne pas pouvoir rentrer dans le top 10 à cause de ça. Mais c'est vrai que 12e, donc première année au championnat de Normandie, c'était pas trop mal avec les amateurs et les pros, et puis les vétérans et les féminines. Malgré qu'il y a une féminine qui se soit blessée, mais c'était toujours sympa. Et tu vas refaire un autre championnat prochainement, c'est prévu ou pas du tout? Ouais, c'est prévu. Alors, l'an prochain, si tout se déroule bien, je roule au championnat de Normandie, pareil, avec un 150 Daytona. Et après, on a comme projet, avec mon père, d'acheter un 125 fin d'année, mais un cross. Donc, moi qui aime bien les anciennes et pour être différent de tout le monde, j'aimerais bien un CR de 2006. Ça serait sympa. Et après, ouais, je ferais, je pense, des courses de Normandie ou en tout cas celles qui sont pas loin de chez moi avec un 125. Ouais, c'est vrai que ça serait sympa. Au cas où, tu cherches des sponsors, hein. Ça pourrait se faire. Hein. Ouais, c'est vrai que j'ai déjà un sponsor, c'est 3S Racing. Donc, eux, c'est ceux qui me fournissent mes tenues et mes pièces cross. C'est qui me fourniront mes pièces cross dans le futur. Mais JD, c'est froid. Mais ouais, c'est vrai que tout ce qui est kit déco ou même une marque de moto, pourquoi pas, on sait jamais. Mais même si je pense pas que ça se fasse de trop, mais pourquoi pas, on sait jamais, une marque de moto. Mais ouais, c'est vrai que je recherche des sponsors, je sais pas, une marque de bottes, une marque d'habits, de casques, de lunettes. Une marque qui veut se faire connaître, qui n'est pas trop connue, c'est vrai que ça m'intéresse quand même. Et ben voilà, et bon, on lance l'appel, et puis n'hésitez pas à passer par le Perche Web TV et, ou par Zizi Rider, hein, puisqu'on mettra sur les deux pages internet, hein, sur YouTube, donc Zizi Rider ou le Perche Web TV. Et puis on retransmettra les infos auprès de Justin. Ouais. On a pu voir sur les vidéos qu'il a triché quand même, mais vous pouvez voir qu'il roule fort quand même. Hein. Ah, voilà. Ouais, après, ça reste un 8-8, donc c'est plus. Il faut toujours à fond. Et même s'il y a un commissaire qui a essayé de te gruger, quand même, parce qu'on l'a vu te balancer de la terre. Voilà. Bah ouais, t'as vu ça, Mika? Justin, merci. Ça marche? À plus tard. Pour laver les motos maintenant, c'est pas le plus agréable, mais on est rider, on y est pas. Bon. Zizi Rider, hein, qui est là, qui a pris pas mal de galtouses, mais ça l'endurcit. Hein. Bah, il s'est pas fait mal. L'avantage du terrain comme ça, c'est que c'est vrai qu'on se fait rarement mal, hein. donc c'est vrai que c'est pas plus mal.
à la boulette. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer.